Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé et que je vous avais promis, le haul liste de naissance partie 2. Je viens de réceptionner la dernière pièce que j'attendais depuis très longtemps, c'est du coup la chaise haute. Donc c'est bon, je peux enfin vous faire la vidéo, même si du coup, ça fait bientôt 2 mois que Baby Myron est né. Il est juste à côté de moi d'ailleurs, si jamais vous entendez des petits bruits, bah c'est lui. Autant l'appartient était en collaboration commerciale, là pas du tout, ce n'est pas une collaboration. Tout ce que je vais vous montrer, c'est nos proches du coup qui nous l'ont offert. Comme ça, ça pourra peut-être vous donner quelques petites idées pour vous, votre liste de naissance. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Ça me ferait trop plaisir. Et c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet. Il y a plein de choses. Premièrement, donc là, vous aurez les photos sur le côté. Le lit, la commode et le plan allongé. Ça, vous me l'avez tellement demandé. Manon, quelle gamme as-tu pris? C'est laquelle? Etc. Parce que du coup, quand je vous fais des petites vidéos sur TikTok ou sur Instagram, on les voit apparaître et c'est vrai que cette gamme est trop canon. Par contre, je vous conseille réellement d'anticiper et de la commander très rapidement. Limite même au 4e mois de grossesse pour être sûr de l'avoir à temps, parce que les meubles, je trouve que c'est très long à recevoir. C'est un petit conseil parce que du coup moi j'ai commencé vers 7 mois et un mois avant d'accoucher, j'étais comme ça parce que j'avais pas encore la commode. C'était la commode qui a mis du temps à arriver. Du coup, moi, j'ai pris la gamme Vox Vintage. J'ai mis sur la liste de naissance, du coup, le 70x140 parce que celui-ci est évolutif et ça fait un lit trop beau après. Ensuite, du coup, j'ai pris la commode qui va avec. Donc, il y a 3 grands tiroirs. Vous avez juste à appuyer dessus et ils viennent. C'est des tiroirs... push-up, je crois, push, je sais plus, je sais plus comment ça se dit. Et du coup, le plan allongé qui va avec. Donc, je la trouve trop belle. Juste, du coup, le plan allongé, vu qu'il est plus grand que la commode, bah derrière en fait, je trouve que la commode faut la mettre dans un angle et moi du coup elle est pas dans un angle et du coup bah il y a 2 trous derrière et c'est juste que je trouve dommage sur cette table allongée, mais sinon trop canon. Et du coup ça s'achète à part la commode, le plan allongé qu'on met dessus ou qu'on peut ne pas mettre si jamais vous préférez mettre, vous savez, les plans allongés par exemple en osier que certaines font. Ensuite j'ai pris le matelas Dodolaine. Clairement je savais pas du tout quel matelas prendre. Je voulais un matelas donc qui fasse été et hiver. Donc du coup la vendeuse m'a conseillé celui-ci et ben, il a l'air très bien. Ensuite j'ai trouvé le kit parfait qui va avec, donc avec une alaise et un draus. Donc je vous le mets juste ici également. Voilà, c'est des basiques, mais ça sert toujours. Il nous faut une alaise, parce que si jamais il régurgite ou quoi, pour pas que ça touche directement le matelas, et un draus, bien évidemment. Ensuite, alors ça, je peux vous montrer, parce que du coup, c'est pas imposant ou c'est pas actuellement sur le lit. Donc, un indispensable, clairement, j'ai pris la Mounie. Donc la Mounie, c'est une veilleuse qui reproduit soit les battements du cœur, ainsi que ce qu'il entendait quand il était dans le ventre, soit le bruit de la pluie, de l'orage, d'une rivière qui coule, ou une petite veilleuse. Là, par exemple, c'est les battements du cœur. Je sais pas si vous entendez, on peut mettre plus fort ou moins fort. Et ça fait également de la musique, donc ça je lui mets tous les soirs pour s'endormir. Et en fait ce qui est bien c'est qu'au bout d'un moment ça va se mettre en pause. Et si jamais dans la nuit il se réveille, qu'il fait un petit bruit, en fait ça se relance. Donc voilà, c'est le petit truc plutôt cool. Donc il y avait plusieurs couleurs, j'ai hésité entre le blanc et le couleur sable. Et j'ai choisi couleur sable du coup à mettre sur la liste de naissance. Si jamais les proches qui nous ont offert tout ça passent par là, en tout cas merci beaucoup d'avoir gâté Myron, c'est trop gentil. On reste un petit peu dans le thème du coup de la nuit avec veilleuse et musique. En fait ça c'est un projecteur d'étoiles, il aime beaucoup ça. Donc en fait, bon vous verrez pas, mais quand il fait nuit du coup ça projette des étoiles jaunes, bleues, rouges, etc. Et ça fait aussi une musique. Par contre, c'est à pile. Il aime bien, mais au bout d'un moment, à force de lui remettre, au bout d'un moment, ça se met en veille et ça ne veut plus se relancer. Et ça se relance que un peu plus tard. Donc voilà. Mais sinon, c'est trop bien. Elle existe en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai mise du coup en gris beige. Ensuite, sur la liste, j'avais mis cette gigoteuse, donc en mousseline, trop bien. Ou gaz de coton, je ne sais plus, mais beige. C'est de la marque Bébé & Co. Et clairement, c'est sa préférée. C'est celle qu'il avait à la naissance. Et en fait, elle est trop bien. Parce que bon, elle est à boutons comme ceci. Mais ce qui est bien, c'est que les manches sont grandes. Alors qu'au début, Myron, il n'aime pas trop les gigoteuses. Mais celle-ci, ça passe parce que du coup, les manches sont larges. Je lui donnais la tétée et après, je le posais dans le lit. Je le remettais dans sa gigoteuse. Et en fait, là, ça passe parce que du coup, j'avais pas trop à lui plier les bras, à le déranger alors qu'il était en train de dormir. Là, vu que c'est large, ben, en fait, il le sent quasiment pas et il se rendort directement en fait. Ensuite, sur la liste de naissance, on avait mis ce thermomètre du coup digital qui prend à distance. Ça peut faire donc pour la fièvre ou aussi pour l'eau. Alors j'ai jamais testé encore pour l'eau, mais pour la fièvre c'est plutôt efficace parce que du coup je lui prends comme ceci et je vérifie avec du coup le verre rectal. Ça dit la même chose, donc je pense qu'il est plutôt pas mal, donc c'est le brown. Ensuite j'ai mis une cape de bain comme ceci, donc de la même gamme que la gigoteuse en mousseline, et là elle est
toute douce, vraiment, elle est trop trop belle. D'ailleurs, il me semble que c'est celle qu'on avait pris à la maternité et avec, il y avait un petit gant comme ceci assorti. Ensuite, on a pris cette glacière, donc c'est la Baba. Bon, j'en voulais une beige, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris la grise. Elle existe également en rose, il me semble. Voilà, je m'en suis servie une fois pour l'instant et elle est très bien. Ensuite, on a pris un coffret d'éveil, donc c'est le coffret éveil hippo. Il existe en bleu ou en rose. Donc premièrement, il y a le petit hippopotame qui fait du bruit. Il y a également un petit jeu d'éveil qui fait des couleurs, des chansons, qui dit les chiffres, etc. Un petit miroir comme ceci et un rocher. J'ai pris celui-ci parce qu'apparemment, c'était à partir de la naissance, donc voilà. Ensuite, pour le lit, bah, du coup, je devais mettre un mobile. Vous savez ce qu'il y a à suspendre sur le lit et qui tourne et qui, du coup... le fait patienter avant de s'endormir. Et du coup, la cousine de mon copain, elle m'a dit « Non, n'en mets pas sur ta liste, je te le fabrique. » Donc elle m'en a fabriqué deux, je vais vous montrer. Attendez, je vais le mettre bien. Je vous montre mon préféré, c'est celui-ci, donc avec des petits nuages, des petites étoiles. Hop. Également une lune et un petit nounours. Et après, elle en a fait un autre, donc ça, c'était le premier qu'elle avait fait avec des petits nuages. Plus gros, du coup, que les autres, à différentes tailles. Ensuite, le thermomètre de bain, donc il est hyper hyper utile pour nous, on s'en sert tous les jours parce qu'en fait, donc il nous sert pour le bain, donc il y a marqué qu'il faut que ça soit à 37 degrés, et il nous sert également pour la température de la chambre. En fait, je le pose sur la table de nuit et comme ça j'inspecte à chaque réveil s'il faut rallumer ou éteindre les chauffages en fonction de la température. Donc c'est le Philips que j'ai pris en forme de fleur. Ensuite, cette grosse couverture incroyable. Donc de ce côté, c'est mousseline, donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est tout polaire et elle est super épaisse. Donc là, vu que c'est l'hiver, c'est un bébé d'hiver, clairement, celle-là, c'était un indispensable. C'est la plus épaisse de toutes celles que j'ai. Et clairement, elle est trop bien. Regardez comme elle est grande. Ensuite, également de la même gamme, j'ai pris la housse du matelas allongé. Donc elle était actuellement sur sa table allongée, donc je suis allée la récupérer. Donc voilà, pareil, mousseline beige comme ceci. Il y a une petite étoile suspendue. Et là, c'est tout doux. Ensuite, du coup, la dernière chose qui nous manquait, c'est la chaise haute. Et on a pris, du coup, la PEC Perrigo en teinte noce. Je la trouve trop, trop belle. Et elle est trop pratique. Vous pouvez l'incliner, la baisser. Enfin, vous pouvez faire plein, plein, plein de choses. Je vous la mets juste ici, du coup. On l'a pas encore essayé, mais on nous avait dit qu'à partir de 3 mois, à peu près, on pouvait commencer, comment on appelle ça, en tant que transat, du coup, un peu incliné. Et du coup, après, pour la diversification, directement le mettre dans la chaise haute. Hâte de tester, mais en tout cas, elle est trop belle. On a choisi cette marque parce que Romain, quand il était petit, il en avait une comme ça. Et elle est toujours nickel 25 ans plus tard, donc je pense que c'est une bonne marque. Ensuite, on a mis un kit avec trois grands langes, donc le blanc il est dans la voiture, avec un bleu et un couleur olive, et en fait regardez, ils sont grands 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 vraiment, et ça c'est top pour le bain parce que du coup on en avait plein de plus petits, et pour l'emmailloter pour aller au bain, en fait ils étaient trop petits, alors que eux ils sont top, c'est nickel, on fait la petite technique comme ça, hop, emmailloter, tac tac tac. C'est la taille parfaite. Ensuite, on avait mis notre cape de bain toute simple. Donc, elle est blanche et c'est la Little Dutch. Donc, voilà, tout classique, éponge. Un autre jouet d'éveil. Donc, après, il n'y en avait pas beaucoup dans la liste de naissance. Je crois qu'il y avait deux jouets d'éveil. Ça, c'est plus des gadgets pour un peu plus tard. On a mis cette spirale comme ceci de Nookies. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, il l'aime beaucoup d'ailleurs dès très tôt. J'ai l'impression qu'il fixait beaucoup le lion. Bah, d'ailleurs, il est en train de le fixer là. Et donc, voilà, bah, y a plein de petits trucs d'éveil. Ensuite, on a mis ce siège de bain pivot. Autant. Donc de base, j'en avais mis un autre sur la liste de naissance qui nous avait été du coup offert par un de nos proches. Mais en fait, il a mis énormément, énormément de temps à arriver. Donc au bout d'un moment, on a dit bon bah écoutez, on prend un autre modèle qui n'aura pas de soucis de livraison parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, ouais, il y a eu un petit problème de stock. Mais du coup, c'est pas grave, on en a pris un qui est une alternative qui est très bien également. Bon, on l'a pas encore testé parce que du coup, pour l'instant, il est trop petit. Du coup, voilà, il est pivotant. Ensuite également, on avait mis une bouillotte qui également a mis du temps à arriver. Donc du coup, on a changé de modèle et celle-ci apparemment, elle est même mieux. Donc on a pris le petit poisson comme ceci. Donc, tac, vous sortez. Par contre, ouais, j'ai l'impression que ça sent la lavande. Dès qu'on le met à chauffer, j'ai l'impression que ça sent la lavande. Alors peut-être que c'est fait exprès, que ça a des vertus apaisantes, je sais pas. Je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais du coup. Ensuite, j'ai également mis sur la liste de naissance le bébé à bord. Donc, je l'ai trouvé chez Orchestra. Par contre, je sais pas si je vous le recommande ou pas parce que moi, à chaque fois que je l'accroche, en fait, il se décolle direct les ventouses. Donc, peut-être qu'il faut mouiller les ventouses ou je sais pas. Dites-moi si jamais vous avez le même, comment vous avez fait pour qu'il tienne parce que moi, il est toujours... sur le tableau du coffre parce qu'en fait, il tombe tout le temps. Donc, c'est vraiment...
pas utile du tout du coup. C'est peut-être moi le souci, donc dites-moi si jamais vous avez le même, comment vous avez fait pour réussir à le faire tenir. Ensuite, un indispensable pour nous, ça nous rassure, c'est la Angel Care. Donc en fait, c'est une plaque qu'on met sous le lit, ça détecte les battements du cœur. Et du coup, quand je le sors du lit pour aller le changer la nuit, j'oublie de l'arrêter et là, ça bip dans tous les sens. Bon, du coup, c'est que ça marche vraiment. Ensuite, j'ai mis un coffret de bain, donc celui-ci me paraissait top. Et le Bath Time Set de Sophie la Girafe. Bon, il s'en est pas encore servi parce qu'il est trop petit, mais du coup, il y a un livre, une petite île avec une Sophie la Girafe dessus. Ça, c'est un petit filet du coup pour ranger les accessoires dedans, il me semble. Une petite Sophie la Girafe qui crache de l'eau et ça, un petit bateau. Vous tirez la petite languette et ça le fait avancer tout seul. Ça peut être un coffret de bain sympa pour commencer avec quelques petits jouets. Du coup voilà, c'est tout pour le haul list de naissance partie 2. Donc voilà, maintenant il n'y aura plus de partie 3, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais bien sûr, sur mes autres réseaux sociaux, je continue de vous montrer plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets mes réseaux juste ici. N'hésitez pas également à liker cette vidéo pour que ma vidéo soit encore mieux référencée. Ça me ferait trop plaisir. Je vous remercie d'ailleurs si vous le faites. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.